blood as I shed one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Alors, lire votre courrier. Ah. Cher Dr. Reed, j'espère que cette lettre vous trouvera rapidement, car j'ai besoin de m'entretenir avec vous le plus tôt possible. La situation évolue très vite dans le West End, et je suis convaincu que nous courons tous maintenant un grave danger. La garde de Priwen a ouvert la grande chasse à Londres, et depuis quelques nuits, recherche activement et tue tous les écones qu'ils peuvent. Lord Redgrave, le président du club Ascalon, m'a récemment contacté. Il souhaite vous rencontrer le plus vite possible. S'il vous plaît, venez me rendre visite à mon manoir la nuit, qui vous conviendra le mieux. Nous devons discuter de tout cela. Vous trouverez attaché à cette lettre un laissez-passer officiel qui vous permettra de franchir n'importe quelle barricade ou poste de contrôle de la quarantaine dans toute la ville. Votre amie est Lady Ashbury. Eh ben, c'est bien. Ça me fait plaisir. On a encore 4000 XP à dépenser. Alors, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure des choses. J'aimerais également voir au niveau de mes armes ce que je peux faire. Alors j'ai une hache, mais j'utilise pour la plupart du temps le bâton barbelé qui fait des gros bobos. Alors assommé 15, endurance 30, vitesse d'attaque 5. Ok, c'est juste que ça augmente les dégâts. Je veux bien. On va équiper ça. Est-ce qu'il y a moyen de les améliorer? Je peux améliorer la hachette de clé. C'est ça que j'aimerais améliorer. Alors j'ai ce qu'il faut. Voilà. Augmente les dégâts infligés ou ajoute 3 points d'impact lorsque l'arme touche. Les points d'impact. On va pour ça. Et morceaux de poignée de qualité. Alors ça j'ai pas encore. Cela dit, je pense que si je les détruis. Est-ce que c'est possible de les détruire? Ça serait bien. Je ne pense pas que ce soit possible. Faible valeur à la revente. En soi, je fais pas énormément de revente. Alors je suis même pas sûr de vouloir garder ça. Alors qu'est-ce qui nous manque pour le prochain? C'est morceaux de poignée de qualité. Et comment est-ce que j'ai ces choses-là? Parce que c'est bien beau, mais il faudrait que je démantèle en fait certaines des armes. Voilà, analyse tout ça. C'est quoi qu'on a? Régénération léger, restaure 300 points de vie. Ok. Endurance. 60 points de sang. En soi, je peux en fabriquer, hein. J'ai largement de quoi faire. Alors ça en prend plus, mais ça rajoute 100. Écoute, je vais en fabriquer. Je peux me le permettre. Et ça ira comme ça. Allez au manoir de Lady Ashbury. D'abord, je vais m'ajouter quelques points de compétences. On sait jamais si on peut en avoir besoin.
Il y a même des très grandes chances qu'on en ait besoin. Le sang, tout ça, ça a été fait. Morsure. 1000. Parfait. Ah, je peux encore en mettre une. 700% de dégâts pour une morsure, ça fait plaisir. Ça, c'est trop cher. Régénération rapide. Ok. Ça vaut le coup. Clairement le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Autophagie. Soigner, ça peut être bien. Ça peut être très très bien. 50 de plus, allez, pourquoi pas. Il me reste plus assez d'XP pour faire quoi que ce soit. Bon, confirmé. Voilà, bon. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait trop changé. À part les maladies, ouais. Bon, c'est critique. Oh, c'est même hostile. Oh, fuck. Ça veut dire quoi qu'ils vont tous me sauter à la gueule ou... Alors les deux là, je peux les buter. Mais il me faut encore un niveau de charme en plus. Ça malheureusement, c'est assez compliqué. Je pourrais aller fouiller dans le quartier. Je sais pas dans quel quartier je me trouve actuellement. Il faudrait que je vérifie. Ah bah je suis au Pembroke Hospital. Donc pour l'instant, ouais, c'est pas d'actualité. Je pourrais voir dans le coin ce qu'il me reste à faire. Ça pourrait être bien. It's locked, all right. Verrouillé, comme tout dans ce bureau. Tout est verrouillé ici. Dossier médical de Monsieur Goswick. Ah, bah voilà. Alors techniquement, il y a plein de choses que je devrais lire. Peut-être qu'il faut que je les lise pour avoir les indices. Ça se pourrait que j'ai plein d'indices et que j'en sais rien. Je vais faire tout ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon. Au pire des cas, c'est pas grave. Je vais pas perdre grand chose non plus. Mais si ça peut me rapporter les indices, moi je le prends. Voilà. Ok. These men. They're a company of professional vampire hunters. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il fallait faire tout ça. Pas mal de d'indices là quand même. Ok, alors juste pour vérifier, parce que là ça va être marrant. Au Pembroke Hospital, je peux buter lui et je peux... Non, je peux pas la buter là encore. Faudrait que j'attende encore un peu. Alors lui, c'est pareil. Pareil. Je pourrais peut-être aller le battre lui, je sais plus de quel niveau il était. 3, 2. Milton, je peux le buter, mais elle non, pas encore. Lui, pas encore. Et ici, pas encore. Hein. C'est assez compliqué, là, quoi. Alors, lui, pas encore. Elle, pas encore. Ah! Il faudrait que j'aille fouiller dans la zone-là. Lui, je peux le buter. Et ça va me faire du bien. 1000 points en plus. Je vais pas cracher dessus. Là, il manque encore beaucoup trop d'indices. Il faudrait que je fouille toute la zone, mais comme un porc. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver Elwood. Voir de quelle difficulté il est. Je pourrais peut-être le battre cette fois-ci, j'en sais rien du tout. Mais tant que je n'aurais pas essayé, je ne pourrais pas savoir.
Et il faut que je retrouve où je peux aller. Je sais plus où c'était exactement. Vérifions. Par là. Si je peux battre Elwood, il faudrait que je vois du coup parce que c'est un... C'est devenu un monstre. Si je gagne de beaucoup d'XP ou pas quoi. Parce que là j'en suis où avec ces trucs à lui, Elwood. J'ai pas de détails dessus, ok. Il est juste porté disparu et les indices ne servent plus à rien. Salut Ezekiel, ça va et toi? Tu me diras si au niveau du son tu vois des soucis de latence ou quoi? Entre l'image du jeu et le son du jeu, si tu peux. Alors, de quel niveau il était, lui, Thomas Elwood? Il était dans la vingtaine, il me semble. Là, je suis à 22, avec un peu de chance, je pourrais l'éliminer. À vérifier. Là, c'est des 9. Niveau 9 et 10. Alors, je pourrais peut-être en profiter pour prendre leur sang. Wouah, si je les one-shot pas aussi. Ça pourrait servir. Alors ça fait plaisir hein, de pouvoir one-shot les ennemis, mais là pour le coup j'ai besoin de sang. Alors il faudrait que j'arrive à en assommer un dans le dos. Et de prendre ce qui reste. Ah! Même un coup juste pour assommer les tue immédiatement. Et ça, c'est assez problématique. T'énerve pas, mon chat, t'énerve pas. Voilà, hop, du sang. Ça tombe bien, il m'en fallait. Voilà. Alors, les one-shots, franchement, c'est un plaisir. 24. Alors, il est battable. Niveau 22 à 24, c'est battable. Ouais, ouais, mais t'énerve pas non plus, José. Ouais, je me suis débarrassé de ces larbins. Ça, c'est une bonne chose. T'énerve pas mon chat. Oh les dégâts que je lui fais ils sont énormes. Traitement pour le mal de tête. Ah bah voilà. Je sais pas si j'ai eu beaucoup d'XP. Alors j'en ai effectivement. Je passais de quoi 400 j'avais au départ. À 1007. C'est pas dégueu. Alors c'est pas énorme mais c'est pas dégueu. Au moins, je sais que là, il est mort. Voilà. Donc lui, il est décédé. C'est parfait. Je pense que je vais laisser la zone de l'hôpital vivant, on va dire, ou le plus stable possible comparé aux autres. Je vais d'abord éliminer les autres parce qu'à l'hôpital, c'est vraiment la... comment dire? Je vais pas dire le QG, mais... Alors en partant d'histoire, c'est quand même un hôpital, donc pour la pour tout ce qui est la peste, etc. et les maladies, ça vaut le coup. C'est également l'endroit principal où je crèche. Ça peut être intéressant de le laisser vivant, on va dire, encore un petit peu. Tous les autres territoires, par contre, je vais les décimer dès que possible. Tout
autres compétences et différentes combinaisons de compétences jusqu'à trouver les plus efficaces. Ouais. Tant que ça passe, j'ai envie de te dire. Ah, ok. Alors l'hôpital est libre. Je vais vérifier si les quêtes ne sont pas mises à jour. Je vais aller à Whitechapel, parce qu'il y a du monde. Il faudrait que je fouille un petit peu là-bas aussi. Retrouver Samuel, le disciple, dans le cimetière. Ça fait plaisir d'avoir du niveau. Ça rend le jeu énormément plus facile. Oh là! Lui, il a failli se manger une patate. L'arrêt sur image. Ouais, ok. Alors, il faut pas que non plus que je me. Que j'abuse. Aïe! Faut pas que je me prenne pour Dieu. Ah, oh, je l'ai raté. Ça prend beaucoup trop de temps cette attaque là. C'est pas très grave mais... Calme-toi. Oh là là. C'est ignoble que je me la sois prise celle-ci mais bon. Voilà. Alors, le disciple. Bonjour mesdames. Non, non, mais calme-toi, toi. Wow, wow, c'est quoi ça? Elle me vomit à la gueule maintenant, hein? Oh, c'est bon. Ouais, il me faut un peu de vie là. Je commence quand même malgré tout à prendre cher alors. Ça va pas le faire. Messieurs de la garde de Priwen, bonjour. J'élimine vos confrères, hein, gentiment, poliment. Bon, bah ça c'était gratuit. Même si j'ai pris quelques coups. Alors, le disciple. Samuel, Samuel, Samuel. Où es-tu, jeune prêtre? Scale sauvage, il y avait une bête, ouais, bête enragée, ok. Scale sauvage aussi par là. Ok, il faudrait que je trouve un cœur qui bat. Ça pourrait être bien. Là, il y avait un carnage. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Suivez les traces de sang. Alors, oui, mais elles sont où tes traces de sang là? Parce que. Ah, il y en a là. Ok. Alors, suivons ce chemin. Où mène-t-il? Par là. As I feared, Samuel no longer preaches the good word.
Il y a du monde ici. Donc il se débarrasse des cadavres comme ça, lui. Journal intime. Ah. Ah, donc ça doit être un indice. Parfait. This is despicable. Alors le père Whittaker a des choses à cacher. C'est très intéressant. Une morsure pour les abattre, c'est bon aussi ça. Ah, ça fait plaisir. Je deviens réellement immortel. Bon, Whittaker. Ouah, ça va toi. Chasse moi d'arriver, tu te calmes un peu non? Mais bête ou pas bête, vampire ou pas vampire, Scal ou Pascal, je vous bouffe quand même. Échantillon de sang vif liquide, parfait. Pour analyser d'autres choses. Morceau de poignée commun. Ah bah voilà. J'ai bientôt pouvoir améliorer les armes. Alors, Monseigneur Père Whittaker, on va devoir discuter, monsieur. Si je le retrouve, bien sûr, parce que là, je suis... Keblo. Non, honnêtement, je sais pas où il est, là. Ça a l'air d'être de l'autre côté de la rive, mais je vais essayer de voir... Ah non, je peux pas passer. Bon, bah, c'est tout. Je vais remonter, repasser de l'autre sens. Voilà. Alors... 300 mètres dans cette direction. J'espère que ça nous mène à Whitechapel. J'ai une zone à fouiller. Des gens à tuer. Pas ici. Comment je vais faire pour sortir de là? C'est vraiment un labyrinthe. Ok, alors je vais faire le tour. Aller à droite. Faire le tour là en fait. Ok. Du côté est. C'est pas nécessaire monsieur, c'est pas nécessaire. C'était quoi ça? Wow. Lâche-moi toi. Hop, commence à revenir ici un peu trop souvent là. Ok, le cadavre là il a disparu. Il fallait vérifier. Ok, Whitechapel. Commence à y être. Ah mais ça va toi. Lâche-moi la grappe un peu. Mais non. Tout va bien se passer Michel. Ah, je me soigne un petit coup, tu le permets. Ah, est-ce qu'il y a des portes ouvrables dans le coin pour fouiller un petit peu? Non, pas ici. Là, il y a un garde. Un coup gratuit, fait toujours plaisir. Oh allez, deux coups rasés en plus. Merci bien.
Rien à fouiller dans le coin, non? Bon, 8 écœurs. 8 écœurs, 8 écœurs. Econ furtif. Il va m'attaquer. Ah, ils vont m'attaquer, eux. Waouh, waouh, waouh. Donc là, je suis en train d'abattre en soi des vampires du même rang que moi. Il y a des icônes maintenant qui se baladent. C'est nouveau, ça. Il faudra arrêter de me spammer. Faut du soin. Ah, ok, bon, quand même. Cachette de qualité. C'est des poignées simples que j'ai besoin, mais pour plus tard, ça pourrait être bien aussi. Bon alors, père 8 écœurs, t'as des choses à me dire ou... Attends, est-ce que c'était ici? Non, c'était là, de l'autre côté. Là. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly. But he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Je crois en la science. Dieu ne sera jamais mon seigneur. Nous sommes nos propres juges. Ah, alors si c'est un truc qui va me donner un indice ou pas. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. Oh, il est sympa. Il est très gentil. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Ah. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Il parle de Bloody Mary? Why did you send Samuel? I sent him. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Ok, après j'ai testé les deux. Je m'en fous de père, pas père. Tobias Whittaker, confess why you burned those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Profitez de l'épidémie pour tuer en toute impunité. Vous n'êtes qu'un sadique qui se prend pour un sauveur. «
You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Oh, ça va. Eh, les mollets, là. Les chevilles. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reed. The final battle. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes. He is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Ouais, ça me sert à rien, mais je prends. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime, and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Oui, mais il profanait les cadavres. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Ok, bon bah c'est tout ce qu'on a à lui dire. I've had enough for tonight. Goodbye. Alors on en est où avec lui? Il est où? Là. 5. Ah, niveau de charme 5. C'est pas possible. Faudrait que je parle à Joe Peterson. J'avais retrouvé un indice. Peut-être qu'il en donnera d'autres sur Harry ou quelqu'un d'autre. Il y a encore des gens que j'ai pas rencontrés. C'est presque même bizarre.